Plan d'eau de Wainé, départ réussi pour les 38 équipages. Monocoque et multicoque sur le parcours banane du racing ont d'abord rencontré la flotte des cruising. Un spectacle de chassés-croisés pour certains au pré et d'autres sous Spinnaker qui restera dans les annales de la TPR. Le parcours banane a été suivi d'une nouvelle étape hôturière entre Wainé et Taha. L'équipage Trésor de Tahiti Espoir, avec des pointes de vitesse impressionnantes, arrive cependant second de la catégorie multicoque, derrière Blue Composite. On a eu des conditions magiques, vraiment faites pour le bateau, avec un équipage hyper réactif et on s'est régalé. On était dans du surf entre 13 et 19 nœuds tout le temps et vraiment on s'est amusé. En monocoque 1, TITI et Ororo, deux speed taillés pour la vitesse, arrivent en tête devant Lipton Ice Tea en temps compensé, ce qui n'empêche pas l'équipage au maillot jaune de terminer premier au classement général. En monocoque 2, Alliance l'emporte devant Buropac, ravi cependant de sa deuxième place. Bah, c'est une grande surprise, quoi. C'est vrai qu'en plus sur ce bord de portant, enfin de sous-spi pour venir Taha était très très sportif, quoi, parce que bon voilà, il y a eu beaucoup de vent et il faut voilà faire en sorte que le bateau il puisse marcher. Il y a des réglages à faire et puis la conduite sur le bateau, voilà.